Dis donc, j'ai un appartement à vendre. Quel genre? Masculin. Masculin? Oui, c'est une garçonnière. Non, mais je voulais dire, combien de pièces? 2 pièces but à gaz. Ah. T'as quel étage? Ton 9e. Il y a combien d'étages? Il y en a 8. Mais comment c'est dit que vous habitiez au 9e? Parce que j'ai horreur d'être dérangé. Ah bon, bonjour. C'est quelle porte? C'est la porte de gauche, mais avant vous sonnez à la porte de face. Ah, il y a 2 entrées. Non, il y en a qu'une, la porte de gauche. Bah, pourquoi vous dites que je sonne à la porte de face? Pour rire. Bon, alors vous sonnez, je vous ouvre et vous entrez. Dans le vestibule? Dans la salle de bain. Il n'y a pas de vestibule. J'ai échangé. Contre quoi? Contre une salle de bain. Elle est grande, cette salle de bain? 2 mètres sur un. Sur un quoi? Sur un tapis de sol. Ah bon. Et après, la salle de bain, alors? Le gymnase. Le gymnase? Ouais. On n'est pas de stade. Non, j'attendais une subvention, je ne l'ai pas eu. Mais il n'y avait plus d'herbe. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce gymnase? De la gymnastique. Non. Si. Il est grand? 1 mètre sur 2. 1 mètre sur 2, c'est pas un gymnase, c'est un carton à chaussures. Bah c'est possible, mais quelle belle pointure. Vous n'aurez pas de corps. C'est haut de plafond? 1 mètre. 1 mètre. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un gymnase de 1 mètre de haut? Des abdominaux. Ah bah oui, tiens, c'est vrai. Mais comment se fait-il que ce soit si bas de plafond? Ah parce qu'au-dessus, vous avez le living room. Oui, ce living room mesure 1 mètre sur 2, je suppute. Ah non, là vous supputez de travers. Ah. Oui, ce living room mesure exactement 15 mètres sur 18. Ah bah voilà, en fait, pièce confortable, on peut recevoir des amis. Ah non, c'est impossible. Pourquoi? Est encombré. Encombré de quoi? De caisses. De caisses? Oui, de caisses, je fais l'exportation. Exportation de quoi? De caisses. Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos caisses? Des petites caisses. J'exporte des petites caisses dans la moyenne caisse. Vous ne faites pas la grosse caisse? Pas moi, mon oncle. Où ça? Au concert pas de loup. Ah oui. Mais en somme, il joue de la grosse caisse à pas de loup. C'est l'heure de la ponte? Bon, alors, dans le fond de ce living room, vous avez une porte qui donne sur l'office. Ah, parce qu'il y a un office? Ah oui, tous les dimanches. Oui. Et à gauche, une porte qui donne sur la rue. Sur la rue? Sur la rue. Du 9e. Du 9e. Bah dis donc, ça fait une grande marche. Assez, oui. Mais comment c'est-il qu'elle donne sur la rue? Eh bien, avant, elle donnait accès à la cuisine, mais j'ai vendu la cuisine. À qui? À des étrangers. Quelle drôle d'idée. Oh, pas tellement. Vous savez bien que les étrangers adorent la cuisine française. Et où mangez-vous? Sur une petite caisse. Et où dormez-vous? Dans une grande caisse. Eh, hein? Qu'est-ce que c'est drôle. Bon, en tout cas, je suis seulement débarrassé de ce living room et de mes caisses. Mais votre exportation? Je laisse tomber, j'en ai par-dessus la tête. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? De l'importation. L'importation de quoi? De planches. Pourquoi faire? Des caisses. Bon, bah mon vieux, votre living room m'intéresse. Avec ou sans caisse? Avec les caisses, ce sont les caisses qui m'intéressent. Ah, vous faites aussi dans la caisse? Non, moi je suis dans le coin. Dans le coin? Dans le coin. Dans quel coin? N'importe quel coin. N'importe quel coin? Bah quoi, ça vous étonne? Non, mais quelle sorte de coin? Mais tous les coins. Le fruit en général? Quel fruit? Bah le coin, puisque vous êtes dans le coin. Mais non, pas le coin, le fruit, le coin, coin. Le coin-coin? Oui. Vous êtes dans les klaxons? Mais non! Le coin! Il m'agace avec son coin. Tenez, par exemple, en ce moment, je travaille avec la SNCF. Oui. Eh ben, je leur vends des coins couloirs et des coins fenêtres. Ah, le coin! Voilà. J'avais compris le coin. Ah, et vous ne travaillez qu'avec la SNCF? Non, 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 non. Je fais tous les coins. Faites pas les recoins? Non, jamais de copie. Ah. Qu'est-ce que vous faites comme autre coin? Comme autre coin, je fais le coin de rue, le coin cuisine, les 4 coins pour les enfants. Faites pas le petit coin? Non. Trop de concurrence. Sans pif, je sais, ouais. Par contre, je vais le petit coin pas cher. Ah, ça c'est intéressant. Non, en ce moment c'est hors de prix. Ouais. Il y a longtemps que vous êtes dans le coin? De père en fils. Ça vous plaît? Non, mes parents m'ont forcé. Ah, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? J'aurais voulu être l'amant de Brigitte Bardot. Ah, ah. Et vos parents n'ont pas voulu? Non, c'est elle. C'est... Bon, bah, j'ai une affaire à vous proposer. Vous écoute. Au lieu de vendre mes caisses, je vous vends mes coins. Quels coins? Les coins de mes caisses. Bah oui, mais vous n'aurez plus de caisses parce que sans coins, pas de caisses. Non, mais j'aurai des planches, au lieu de faire de l'importation, je ferai de l'exportation. Oui, bah moi j'ai une meilleure affaire à vous proposer. Je vous écoute. Gardez vos planches pour faire des caisses. Alors j'ai une deuxième proposition à vous faire. Vous écoute. Avec les planches qui me restent, je refais des caisses. Vous achetez vos coins. Il me reste des planches, je refais des caisses. Qui dit caisse dit coin, je vous rachète vos coins. Il me reste des planches, je refais des caisses. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et quand on aura plus de caisses, eh ben on changera de coin. Voilà.